ouvrage classique, ça vous rend un drink sur mon sofa. Quoi ? Ah oui, c'est pas crédible, ok, je reprends. Je relisais un vieux Lucky Luke, m'enfilant des bières sur mon canapé. C'est mieux ça ? Je me suis rendu compte d'un truc que peut-être vous partagez. Je ne retiens jamais le nom des deux Dalton du milieu. On se souvient que du grand et du petit nerveux. Du premier, du dernier, de Joe et d'Avrel, et les deux ignorés. William et Jack, ils s'appellent. William et Jack sont des hommes et des femmes qui prennent souvent des claques. Jack et William. William et Jack coincés dans la nasse de la queue quotidienne. Classe moyenne, classe quand même. Troisième, quatrième couteau, soldats dans la troupe, ils sont sur la photo. Mais que quand elle est de groupe, ils savent ce qu'on attend d'eux. Qu'ils cotisent, qu'ils s'endettent, que tous les Dalton du milieu ne profitent pas trop de leur retraite. Échantillon représentatif, c'est vrai, ex-chair à canon, devenu chair à forfait. William et Jack sont des hommes et des femmes qui prennent souvent des claques. Jack et William. William et Jack coincés dans la nasse de la queue quotidienne. Classe moyenne, classe quand même. Jack et William. Je relisais la Pléiade de Spinoza, ça vous rend un smoothie, gingembre, quinoa. Je m'endormais sur mon vieux Lucky Luke, cuvant mes bières au bord du canapé. Juste avant d'en tomber, j'ai crié un truc, les William et Jack, mais comment s'en passer? C'est en électeur, bien sûr qu'on les préfère, tant qu'ils font pas l'erreur de voter pour l'adversaire. Quantité négligée, deux fois personne. On a même oublié comment il se nomme. Comment William et Jack sont des hommes et des femmes qui prennent souvent des claques. Jack et William. William et Jack coincés dans la nasse de la queue quotidienne. Classe moyenne, classe quand même. Au premier rang, à la Fashion Week, j'étais... Oh mais oui, bon, j'arrête alors.